maison près de Longchamp, je me promenais tranquillement lorsque tout à coup j'entendis derrière moi un drôle de bruit. Je pensais naturellement, ça c'est encore tout simplement un canasson qui bat son train tout en tirant son vieux sapin. C'était une méprise, jugée de ma surprise, quand je vis en me retournant s'avancer une blonde enfant. Elle avait des semelles en bois qui faisaient clic-clac-clic-clac et chaque fois j'entendais ce petit bruit charmeur. Ça faisait clic-clac-clic-clac au fond de mon cœur. Clic-clac, clic-clac, mes amis. Clic-clac, clic-clac, quel doux bruit. Elle m'avait mis tout en émoi avec ses semelles, semelles, semelles en bois. Jamais cru que ce bruit était si plaisant. Oh, oh. Afin de la décider à venir chez moi prendre le thé, très sérieusement je lui jurai que personne ne la verrait. Mais elle fit dans l'escalier tant de bruit avec ses souliers qu'immédiatement à chaque palier des gens sortirent pour nous regarder. Et la pipelette, toujours très discrète, alla sans hésiter à meuter le quartier tout entier. Elle avait des semelles en bois qui faisaient clic-clac-clic-clac et chaque fois que j'entendais ce petit bruit charmeur, ça faisait clic-clac-clic-clac au fond de mon cœur. Clic-clac-clic-clac, mes amis. Clic-clac-clic-clac, quel doux bruit. Elle m'avait mis tout en émoi avec ses semelles, semelles, semelles en bois. À force de suivre ses semelles, ben j'ai fini par user les miennes. Oh, oh. Elle m'avait mis tout en émoi.